Blanc gen tout information sur tout moun k'ap vann zam yo. C'est blanc k'ap vann zam. Zam nan jè la kay blanc sorti. Donc américain yo, canadien, français yo, yo konnen exactement et c'est yo k'ap habitué voye zam nan pays d'Haïti. Les français ont bien metté Jean-Baptiste Aristide à terre. Yo te voye combien l'argent, combien zam, yo voye l'argent. OK? Yo te voye l'argent bay société civile là. Yo te voye l'argent bay parti politique yo. Parce que Aristide t'a réclamé et l'argent indépendance là. Yo te voye l'argent. OK, la réparation. Yo te voye l'argent passer Domingue. L'argent, yo voye zam passer passer Domingue. Monsieur te former c'est Domingue. Pour venir former nèg pour nèg venir dans guerre ici avec nèg Lavalasio. Donc nous connaissons ces blancs depuis le fond bagarre la fait. Donc monsieur américain, monsieur français, monsieur canadien, yo pas qu'on décider pour aider Haïti sortir dans sa lia. Mais malheureusement, nous-mêmes nous des dirigeants qui couillent qui pour comprendre que pays est pour yo lié. Et en pile monde dans société à tout pas déterminé, pas gain même caractère dans le temps pour défendre pays pour dire bon ça n'est assez. Jodi à la fin pour habiter nous. Comme jeune garçon, jeune femme, faut que nous bon matin. Regardez nèg y a fait manifestation hier. Moi même parce que manière d'être grand pile monde, même le non niveau. Alors, on nous fait parenthèse à Isaïe pour tout entrer. Les questions manifestation qui se donne point. Donc à l'émission matin débat. Donc en tout cas, gars connu, c'est pas plein pour plein. OK, c'est dégage pousser griffou. OK, mettre casson dans ta rue. Pousser griffou donc Marie c'est sous. OK, et puis 10 blancs sont en bout là. Correct. Okay. Et laisse ça, Louko. Ouais, si monsieur campé face à blanc. Lui dit blanc. Mal en tête comme ça. Ou te pour mettre monsieur ici, ou te mettre monsieur là. Dégage ou remettre lui. Et puis blanc va décider faire ça monsieur veut faire ça pour faire. Monsieur dit blanc l'a démissionné. Monsieur démissionné et monsieur dit population, il font discours à la nation. Peuple haïtien. Devine la bombe servie, comme international la Québec Haïti sous griffe, pied et glace sous. Et ça, nous pas oublier CPT à tout. Ouais. Parce que tout dit, ok, la réussite de Gaïkoni, c'est la réussite du CPT. Correct. Louko, okay. CPT a été en futé déjà. L'échec de Gaïkoni, c'est également l'échec du CPT. Louko, CPT a été en futé. Ouais, il y a des bagages depuis qu'on tombe sous dos, ou pas de nul pour caler, ou pas de respect. Ouais, l'a traité faut de gagner respect pour traiter avec ou avec respect. Pas gagner moun encore qu'à traiter avec CPT avec respect. Ouais, après ça qui passe là. J'ai tout derrière CPT dans la rue. Tout dit il a fait. Il est dans la rue. Sans content. Et permettez là tout sans content de. Ou content de causer. Ah. C'est qui gagne là, monsieur. Monsieur, il est mal avec un monde. Et ça fait moi-même nous connaissons, mais si tout le monde va chercher un job dans l'État. Ok? On est avec ces politiques qui font nous connaissons, mais moi-même pas faire politique avant. Parce que moi-même pas faire politique avec malandrin, moi-même pas faire politique avec malandrin. Au fin de balle. Ok? Si vous me faites faire politique, c'est à malandrin pour faire politique, je ne vais pas faire politique moi-même. Je ne vais pas faire politique à malandrin. On a décidé de faire politique avec même. Ou qu'à malandré, ou décidé de faire politique avec même. Mais moi-même, nous connaissons dire, ou choisi de faire politique à malandré. Bon, plutôt qu'à nos services, que mal la politique avant. Sale qui est là, monsieur. Oh, monsieur. L'obéi. Je m'attends à tout. Oui. Bagay sale qui est là, qui a passé là, je tiens là. Ah, mais qu'est-ce que c'est ça, frère? Ah monsieur. Chargé. Bagay sale, moun nou va avancer. Bagay sale, t'as passé là. La question c'est pété. Pour moi même nous connaissons des moun qui connaît. Pour moi pour yo. Ou moi pour yo. Ah, et maintenant monsieur. Que des moun ouais comme si vous pensez c'est moun noté, moun pas moun. Ah monsieur. Que des moun comme si que des moun ouais comme si sur apparence et vous pensez moun son moun, c'est pas vrai. Pas rien comme moun ga moun là. Monte. Mais le jour, je vais dire que les gens ne parlent pas dans le pays, je vais vous dire, mais ils sont les mêmes que tout le monde. C'est comme si vous m'emballez. Maintenant, hier, alors non. Ah, tu vois, si tu es rentré dans le monde, dossier manifestation. Alors, nous avons invité nous là, qui est avec nous là, dossier manifestation. Pourrait-on parler
deux chèques pour l'opposition pour la journée de mobilisation du 11 août 2024. Et là, nous disons opposition, suite à l'émission qu'on a fait ici, à la radio éclair, le matin débat, il a dit que grand opposant là, je dis à la Guy Philippe. Ouais, ouais. Et vous savez que M. Khaled Baptiste, t'es intervenu dans l'émission matin débat sous question ça. Bon, en pile moun dit au bagaille, en pile moun a dit que chef Zamio, moun qui vient avec Zamio, moun kap vend Zam, c'est là, c'est moun à costume. Écoutez, mais qui est-ce qui connaît eux? C'est l'international. International. Ça veut dire que international là au moins il même on a couru deux pas servir non pour barrer les yeux peuple haïtien pour pas avec parce que bagaille là aux yeux de tout le monde, tout le monde comprend, monde pas aller l'école pour comprendre bagaille ça. Bon, présidence avec 9 monde là-dedans. Oui, okay, oui. 7 conseillers. Et qui a voté avec 2 observateurs. Donc, on précise ça avec 9 mounes. Et de vous parler de Nations Unies, Assemblée Générale, on a parlé de président. Là, c'est dans le cadre d'un président qui est élu constitutionnellement. Est-ce qu'on a? Je dis à la, le débat au sein du conseil présidentiel, dans le temps secteur politique, il t'a souhaité que c'était Edgar Leblanc fils qui vous a allé représenter c'est Haïti. Ça à la 27e Assemblée des Nations Unies. Et ça l'a supposé. Zébédé. Ça a passé. L'invitation a été faite à Gary Gondi, le Premier ministre. Et non à Edgar Leblanc fils. Ça a passé. Ça dit tout. Gary Gondi. Attendez, à part ça dit tout. L'invitation a été faite, ok, à M. Gary Gondi, le Premier ministre haïtien, pour participer, pour représenter Haïti à la 27e Assemblée et général des Nations Unies. Cap commencé le 9 septembre. La première étape dans l'Assemblée a commencé le 9 septembre. La deuxième étape a dérapé le 16 septembre. Ok? Monsieur Gary Gondi, le Premier ministre haïtien, sera à Washington le 22 septembre. Et là, prend la parole sur la tribune des Nations Unies le 26 septembre 2024. Et là, retourner en Haïti le 30 septembre 2024. Donc, après, président, ouais, ça. Bon, en tout cas, c'est les formations. Donc, c'est confirmé. Donc, c'est Gary Gondi qui va participer pour représenter Haïti. Donc, à la 27e Assemblée Générale des Nations Unies. Mais c'est son choix. Son choix des Nations Unies. Non, oui. Son choix des Nations Unies. C'est Nations Unies qui vous est là. Oui. Son choix des Nations Unies. Ça confirme tout. Ça confirme qui dirige vraiment le pays. Qui est cet international là vraiment ouais. Qu'on est d'ailleurs c'est eux-mêmes qui t'ont voyé. C'est lui-même qui a invité. Ouais. Alors ce que on entre guillemets on a dit conseil présidentiel qui a attribution de présidence. Non. Ça dit tout. Quoi? Et qui côté problème là Eloko? Pas mal de non qui côté problème là. Permettez pour le nationaliser que côté debout des Nations Unies, c'est président. Bon ben rendu, c'est dans un cadre côté que président il sorti dans l'élection. Ok, mais comme là nous avons une situation exceptionnelle, il y a des gens qui ont posé des questions, et même au sein du CPT, il y a des débats qui ont fait, et que c'est à Gary, c'est à Gardi Leblanc, fils qui a doué à la représentation d'Haïti, vu que c'est le même qui président. Edgar Leblanc, fils. Mm-hmm. Parce que c'est le même qui est président conseil là. Il y a des gens qui croient que bon, c'est à Gary Gondi. Et finalement, donc, Nations Unies tranchées, eh bien, l'invitation a été lancée donc, à M. Gary Gondi, Premier ministre donc, de la République d'Haïti, pour représenter Haïti à la 27e Assemblée Générale des Nations Unies, donc qui a dérapé le 9 septembre et qui a fini justement donc, le 27 ou le 28. Gary Gondi a quitté Haïti le 22. Le 26, il a pris la parole sur la tribune des Nations Unies. Le 30 septembre, Gary Gondi a quitté les États-Unis pour retourner donc, en Haïti. Mais même pas son bagay. Faut que nous suspend alors l'aime dit nous autorité haïtienne et faut que nous suspend à ce que n'a fait tout la lito n'a fait banque non bagay qui pas mérité banque écoutez c'est même Nations Unies qui fait CARICOM qui m'a dit CARICOM vient en Haïti vient gérer bagay ça pour moi. Politique d'analyse politique, faut être bien conscient de qui ça capte nous dans le pays.
Donc résultat pas de cas positif immédiatement. Le nous garder ça qu'habitué passé l'autre station de radio, l'autre chaîne de télévision. Et maintenant, moi te comprendre pas gain qui est content. Pas gain qui est content. Et si nous gardons n'a pour eux pas en tenue de fête vraiment. Non, pas en tenue de fête. Le style c'est l'homme. Nous même au 3 matin débat nous habitués avec depuis Pierre matin à tout. Et m'te vle montrer nous que me pas en tenue de fête. Même simplement mettons couleur qui fait me plaisir qui c'est noir et rouge. Parce que c'est la dernière fête c'est moun qui fait en 59. C'est sous drapeau ça que me fait c'est petit drapeau noir et rouge. Donc c'est limité, mais c'est pas parce que maintenu de fête, même si on connaît je dis à c'est fête matin débat. Je préfère faire nous sentir fête la parole moins. Ak sa kap soti nan bouche moins. Je dis à même gens. Pendant 7 ans, j'ai fait. Je n'ai pas fait partie de l'équipe qui te pensé matin débat. Non. Pensé matin débat, c'est DGPDG, Radio Éclair, M. Patrick et son fils. Mais, moi-même, c'est dans août, je ne sais pas quoi, deux mois, je ne sais pas. Ma qualité de moi. Lorsque Louko Désir, nous avons une relation nous depuis Miami. Nous avons fait titre nous dans Radio Fusion. Et Louko Relem, les dîmes, les vlim, nous avons un coup de main pour ici. Nous avons là, moi. Moi, je suis là, moi. Dès que Louko ne pas dans comme ça. Nous dit député ou capable de venir mon coup de main. Nous dit Louko, là nous t'ai rencontré Miami, nous t'avons appris à faire radio. C'est Chansol qui a fait m'apprendre à faire radio. Si nous t'ai capable avec mon la caille moins, mon en dehors pareil moins que fait m'ta l'apprendre à faire radio Miami. Faut le dire. Mais c'est pas l'autre bagaille. Même j'aime des petits cours communication, mais très courte. On va être technique ici. Les mauvais Miami. Dans Downtown Adult Center. Dans Federal Highway. On va faire un petit temps. Même pas le faire bagaille pour journaliste. On va faire bagaille pour journaliste. Et jusqu'à présent, je ne considère pas chita devant Esaïe, je chita devant Louko, et puis je dis que c'est journaliste. Ne yo gen 25 ans, 30 ans, na ba yo, ou en zamble dou, non. Ça pas j'aime dans la tête, moi. Même pas j'aime regretter en seconde. Lorsque Louko dit, vine de dit monsieur, bon, 2-3 jours de réflexion. Mais faut point dit nous gon mot historique le côté dim qui fait me venir son bagage historique lié et c'est mot ça qui fait me d'accepter l'aime dit le comme pas capable pas venir pas bagage pas d'apprendre faire radio pour Port-au-Prince le côté dim député Mabdou Patrick dim faut que moi gon mon en plus Patrick m'a dit mon en plus pour faire balance. C'est radio a dérapé en pile moun gen problème. Émission. Et puis l'aim dit Louko m'pa ka vinn Louko dit m konn sa k passé, m'passé trop radio.
faut qu'on vienne pour venir faire équilibre là moi. On pas lever courir, on veut pour venir bam coup de main. On dit bam on temps de réfléchir, réflexion. Et nous on s'est passé parce que tout simplement on fait partie de groupe moun si m'a font bagaille gen moun pour me parler avec yo. Et m'gon grand moun avant de venir dans l'émission, m'étais obligé à le dire ça. M'dit lou korele m pour venir ben coup de main. Et puis moi monsieur voy tête li à droite, il voy tête li à gauche. Et m'frappe de monsieur m'dit eh ben na ouais. Après deux jours, moi, je retourne ma jeune, je me dis, ah, eh bien, Pierre-Marthe, moi. On a mis quoi longtemps, Miami, Radio Cascade, Chansol. Je pense que c'est bon pour vous, mais il faut que vous ne pas trop construire. Je vois que deux jours, je ne pas trop construire. Septembre 2024. Matin débat, servi, population. Si tout le monde était content, eh bien, nous t'avons dit, moun kap fè matin débat, yo pas humain, c'est pas moun yo yé. Depuis c'est moun yo yé, tout le monde pas content. Et c'est règle générale. Parce que c'est moun ki pa kontan yo ka permet que ou pote correction. C'est moun ki pa kontan yo ka permet que ou fè effort chaque jour. Donc c'est ça que fait nous même dans matin débat. À côté de moun ki pa kontan ki normal mais nous vin en face moun tout ki pa vle wè émission. Et nous-mêmes, nous, qui ça a fait? Qui attaque vous fait sur l'émission? Je dis, hein, pourquoi commencer à parler de monde? Qui est toujours plus proche? Qui même dormi avec matin débat dans la tête? Yo? Moi j'ai un prénom. Probablement Louko gen doit gen même non il gen plus. Mais il gen des noms faut que nous citer matin, nous pas le citer. D'ailleurs qui décidait à ce que matin là. Gen moun même si nous pas tendre dans téléphone. On va le citer non tout à l'heure. Mais avant me citer non tout à l'heure. Et c'est numéro 1 émission que t'es doué dit le premier mot et étant donné et j'ai grand respect pour plus grand non l'âge oui c'est pas professionnellement non l'âge c'est pas professionnellement est-ce que plus grand passe le commissaire Esaïe pour dire. En tout cas, nous, Esaïe César nous dit bonne fête, nous dit Galette bonne fête, nous dit José Lexidor bonne fête, nous dit nous dit nous déjoigne Esaïe, moi déjoigne Louko, moi déjoigne troisième personnage là. Hein? Nekbedjonville. Bahi. C'est équipe ça que me te joine. En tout cas, tout le monde qui passe dans matin débat, même gen doit rater non, mais vrai monde qui gen tout non yo. Et c'est peut-être un grand monde qui gen doit plus important que nous quatre qui chita là, gen doit oublier que doit Louko Konel, Louko Désir, mon cher bonne fête et pour zouti ça qu'on mettait dans pays hein, et bonne fête, Bode. Bon, bonjour, député, bien matin à tous. Bonjour, Esaïe César. Je ne suis pas capable de commencer l'émission aujourd'hui ensemble avec nous, monsieur, sans que je me dise merci d'abord
à monsieur Patrick Joseph et Patrick Joseph qui ont une grosse responsabilité l'aide de prendre décision pour le retirer dans la programmation Radio Éclair. Il y a une émission qui était dédiée à la jeunesse haïtienne, une émission qui a fait promotion de musique que jeunesse a aimé en pile pour le mettre. Il y a une émission politique, une émission tant qu'une émission matin débat. Je vais me dire ça, sous ça, je vais rencontrer Patrick Joseph et puis les aimer le coup comme on est, nous habitués à rencontrer, mais nous pas jamais de chance pour nous parler. Et puis, nous commençons par les pays, nous commençons par les politiques. Puis, parlons de parcours dans le pays, de famille, et puis, dis-moi que nous avons une radio, et que la radio soit liée de près de 20 ans. Et que je dis à l'invitant, il faut que les qui tombe à gagner au pays, il faut qu'il tombe au pays, il estime que ça que Radio Éclair a proposé là, dans le moment là, c'est vrai que c'est pour la jeunesse, mais il est plus loin que ça. Bien entendu, petit garçon Gaëtan, c'est jeune garçon, et quand même, il y a une clientèle qui est dans la même génération avec elle, il pensait que il parle de se voir clientèle ça. Bon, on va pas convaincre, et puis nous mettons sous pied, émission Matin Débat, et me dit Patrick Joseph, Matin Débat, qu'on va le mettre dans la radio, il n'y a pas une émission, que la plus qu'une émission. La première espace qu'on dit que pays, peuple haïtien, pour retrouver la donne, il peut offrir la société. Et Matin Débat, chaque fois que nous avons Matin Débat, il faut que nous rendions compte que c'est de lui que nous avons parlé. Et que lors du Matin Débat, ou dit peuple haïtien, ou dit chaque grand citoyen, donc haïtien, qui vivent en Haïti, également qui vivent au niveau de la diaspora haïtienne. Et bien c'est là que nous commençons, c'était un 4 septembre 2019. Et ça, le président Jovenel Moïse fait prendre pouvoir le 7 février 2017. Et je dis à nous, c'est 4 septembre 2024. Ça fait exactement 7 ans depuis que nous existons. En 7 ans, je crois que Matin Débat, on a fait en fait ça ne de fait. Nous menons un paquet de batailles pratiquement avec Matin Débat dans le pays. Des batailles personnelles, des batailles à partir des attaques personnelles, parce que il va être facile pour presse là d'accepter le gros désir, sortir dans l'animation, musique, pour me deviner analyse politique. Pour les batailles que me menais, c'est une bataille en dans presse là même. Donc presse là qui pas d'accord, fait bah animateur radio, sortir dans faire musique pour venir tomber dans la politique, qui gagne popularité. Et l'entrée, Matin Débat te commencé à imposer. Nous menons la bataille ça. Jusqu'à présent, la bataille est là. Mais, on a dit que la maturité que nous venons gagner, donc que nous ne faisons que bon, nous ne pas faire la bataille ça encore. Parce que nous ne pas et nous sommes campés, et nous disons merci à tout le monde qui est campé avec nous. Et tu sais quoi, la bataille que Matin Débat a mené. Matin Débat, c'est plus qu'une émission parce que, vous regardez, en deux Matin Débat, nous déjà à deuxième génération Matin Débat en 7 ans. Matin Débat nous bat priorité à des jeunes. Des jeunes qui ont étudié communication, qui passaient plusieurs côtés dans plusieurs stations de radio, qui ont demandé de faire stage. Ils n'ont pas accepté. Matin Débat a accepté. Et je dis à nous content que vous grandissez sous conseil Matin Débat, le co-désir. Puis Matin Débat tout avec tous leurs amis, Matin Débat. Je dis à Gennadéo qui réussit. Il a des gens qui travaillent, il a des gens qui sont capables de voler de propres ailes. Et nous avons l'autre génération qui l'a connue là, et bien qui a fait expérience par eux et qui campait avec l'équipe Matin Débat. Matin Débat, nous avons et un volet social que nous avons développé, que nous dégagé. À travers certaines rubriques, certaines rubriques, tant que cause Timachon, Paul Ghetto, et Voix Femme. Bon, et Matin Débat nous garder le côté mystique du pays avec grand maître Jean-Saint Boxilien. Matin Débat nous garder les questions économiques, les questions politiques. Et Matin Débat nous toujours gagner des analyses très et poussées et pointues. Et très difficile pour un monde. Pour ça nous dit, dans l'analyse, dans la réflexion que nous avons dans l'émission Matin Débat pour Powell. Même si c'est après un jour, après deux jours, après trois jours, on va toujours ouais. Ça nous dit dans l'émission Matin Débat. Donc en fait, Radio Éclair et Matin Débat nous prennent responsabilité. Non? On a connu des moments assez difficiles.
des moments très difficiles. Je tire sur nous, je dis attaquer. Et il y a des campagnes de dénigrement, donc au niveau des réseaux sociaux. Il y a un nombre qui m'a dit le matin débat, c'est que. Gros jeune garçon, ok. Qui m'a dit le matin débat, madame, monsieur. Gros jeune garçon. Un militant politique, journaliste également. Parce qu'il y a des radios qui ont et ou patron là-dedans. Qui est arrivé, qui était dans la rue. Qui était dans la rue comme militant. Et puis qui est arrivé dans le palais national. Parce qu'à la faveur de une circonstance politique, il y a une grande monde qui monte dans le palais national. Et photo ça là jusqu'à présent. Il y a une chance de travailler avec un président qui déballe au ministère, ministère des Affaires sociales, qui vient tellement de crier parce que nous avons nommé un volet sur toutes les réseaux sociaux, il a lapidé comme volet. Matin débat, ramasse le, lui refait l'image lui. Et je dis à Pigo, ennemi matin débat, c'est ça. Si vous m'avez qui marqué mes matin débat, tout c'est ça. Parce que nous t'ai dit le matin débat, nous t'ai dérapé. Nous avons chance à tout jeune garçon. Et crédit que nous avons nous dit que nous avons transféré. Un jeune garçon, nous pensons qu'il est capable de toujours continuer à utiliser le pays. Il a fait erreur. Eh bien, nous t'ai tout crédit pas nous. Et je dis, nous refaisons santé politique. Et puis je dis, plus gros ennemi, matin débat, c'est lui-même. Ça nous a manqué. Nous pas qu'à oublier ça. Gouvernement sous gouvernement, sous Jovenel Moïse, Corona, matin débat prend position. Je dis, si pas grand pile monde qui mourit dans le pays d'Haïti, sous question Corona, c'est grâce à matin débat. C'est nous-mêmes qui n'avons pas engagement pour nous dire, gouvernement Jovenel Moïse là. Pas acheter masque en Chine parce que selon analyse que nous fait, selon certains articles que nous avons regardé, nous voyons que très probablement poison capable d'un masque là. Effectivement, la planification a été faite. Il y a tout qui était en fouillé. Et ça à l'époque fait une déclaration, il y a 1000 personnes qui vont mourir par jour. Et c'est Martin Debat qui nous dit non, ça n'a pas fait. Il faut que si monsieur a fait dans le pays par les industriels de ce pays, des masques de protection, il y a fait en Haïti. Il dit président Jovenel Moïse, pas commander des masques en Chine, préférez que ou by factory en Haïti, industriels, donc contrat ça pour faire masque pour le pays. Bah, quand le président attendez, scandale a pété, heureusement, pendant qu'il parlait de ça, la presse internationale vient parler de ça. La presse internationale vient dénoncer ça. Donc ça veut dire que Martin Debat fait des hommes, je dis à qui l'a fait politique, perdu 800 millions de dollars. Martin Debat. Un sous-dol charge pour 800 millions de dollars par fête sous-dol pépahitien qui t'a mourir dans le corona. Et bien, planification est faite dans le plus haut niveau. Et président Jovenel Moïse, c'est trop petit pour te camper ça. Mais t'es gon, n'est qui était là en souffle en qui est le Joseph Jout, qui était lui-même pris ça sous dole. Avec l'autre nègre qui était dans le cabinet. Ah oui, l'autre nègre qui était dans le cabinet. Et puis, bah, commissaire Jacques Lafontan, sale job là. Sale job là, comme on est qui a un caractère. Et puis, il vient en tentative d'arrestation de Lugo Désir dans la radio éclair. Mais le peuple a compris. Mais d'un coup, le vlan l'école, c'est un fait chita à ces deux. Il était mené dans le commissariat de Pétionville. Et le peuple a cherché Lugo Désir, il vient mettre dans la radio éclair. Donc, c'est un moment pendant 7 ans que je n'ai pas oublié. Pendant 7 ans également, Jovenel Moïse, sous gouvernement, parle là. Il vient arrêter Lugo Désir parce que bon position pour le peuple haïtien. Il vient arrêter Lugo. Le gouvernement d'Ariel vient monter. Nous voyons ça qui passe sous le gouvernement Ariel. Là. Ariel décide avec équipe acolyte, ok, pour mettre Lugo Désir en prison.
nèg dans secteur privé fait complot. Mais même dans le CPJ. Fait complot, mettez essayer mettre dans dossier assassinat Jovenel Moïse, essayer mettre dans assassinat Éric Jean-Baptiste. Fait complot, fait monter des sommes dans la justice. Mais le côté de vous camper là, nous pas jamais faire bac. Chaque fois invité nous camper n'aller. Eh bien, c'est ça, oui, là, je veux dire qui va nous crédit ça. Et nous continuons le travail. C'est en ça, si nous disons que nous pas qu'un frappe, d'ailleurs, nous sommes humains, nous pouvons frapper. Mais c'est en ça, bah, nous force et courage pour nous camper. Il va nous force et courage pour nous camper. Maintenant, je vais citer des noms parce que on pourra quand même faire des jaloux, Esaïe César, bien maintenant d'autres, parce que tellement nous en pile, je vais entrer dans des noms, et puis après ça, pour m'oublier des noms, et puis sortant de là, pour m'a dit, ah, mon cher Lugo, ou c'est hypocrite, ou c'est un gars, ou pas son génome de ça. Mais, maintenant, débat, vraiment, et je suis satisfait de l'équipe, là, et je suis satisfait de collaboration avec l'équipe de Radio Télé-Équerre, et je suis satisfait tout, donc, de accompagnement, donc, auditeur, population, donc, fait avec Matin Débat. Matin Débat, en 7 ans, nous distribuons presque, 3 millions de dollars haïtiens, à peu près haïtiens, à travers le programme social, mon cash, que nous réalisons, donc, par des saisons, donc, à l'émission Matin Débat. Et jusqu'à présent, nous sommes la seule émission qui réalise ça, pratiquement, dans le pays. Matin Débat, on a quand même permettre que nous influencions des décisions, dans les communes, dans les villes, dans les départements. Parce que nous déplacer, nous réaliser Matin Débat en province. Nous avons porté le microphone nous bail paysans. Ah oui. Nous avons porté le microphone nous bail jeunes garçons, jeunes femmes, autorités locales. Pour faire passer les revendications. Mm-hmm. Les messages à passer dans Matin Débat. Le lendemain, l'État a réagi. Donc nous influencer. Matin Débat, nous organisons de grands événements. Une fois ça, distribution de provisions alimentaires. Quoi des bouquets? Distribution de produits alimentaires. À ça qui fait bio, ça qui pas capable bio. Et c'est ça qui Matin Débat. Matin Débat, nous accompagner population, dans payer l'école pour yo, payer l'hôpital. Matin Débat, nous aider en pile famille, supporter famille yo qui dans prison. Matin Débat, nous permettre que des jeunes viennent des ouvertures de l'État. Dans le directeur général, garanti job, à des jeunes à gauche et à droite. Et c'est ça qui Matin Débat. Nous camper, nous pas faire bac, il n'est pas facile. Merci en pile à l'équipe de Radio Éclair. Et Matin Débat, tout, je vous remercie. Merci. Et m'a dit merci à la première équipe là, Jean-Pierre Bailly qui était là. Et Makatu Douya qui était là. Donc, en fait, qui est toujours là? Parce que place a toujours été donc, dans l'émission Matin Débat. Donc, bonne fête à toute l'équipe. Je dis à le cœur encore cette année n'est pas à la fête. Mais ça ne va pas empêcher que nous battons, nous mangeons un petit gâteau ensemble, nous mangeons de toi et pâté ensemble. Et 7 ans, et j'espère que bon Dieu va nous donner courage pour nous continuer. Pour 7 ans après encore, nous sommes capables de parler de bilan, émission Matin Débat. Matin Débat, c'était un peu difficile économiquement. Ah oui? Le secteur là dans le pays qui est clair, pas de publicité. Ah ouais. L'espace Matin Débat. Il faut que des secteurs là qui payent publicité dans le Matin Débat. Regardez-vous si il y a une banque qui a publicité dans le Matin Débat. Le secteur bancaire n'a pas de Matin Débat publicité. Il y a des secteurs, il y a des gens qui sont commerce, des patrons, qui n'ont pas publicité dans le Matin Débat. C'est une politique justement pour barrer le Matin Débat. Parce que faut barrer Nexayo. Parce que Nexayo pas équipe yo. Parce que Nexayo, yo pas qu'à mettre dans poche yo. Mais écoutez, monsieur, laissez-moi vous dire une chose. Je t'aime qu'on guesse, permettant à tout yé. Permettant à tout qu'on guesse que le codésir. Il compte tout ça m'café. Il compte tout ça, permettant à tout café. Parce que moi, vive avec elle. Parce que lui, vive avec elle. Parce que yon pratique l'autre. Mais si pas j'aime qu'on ait une foi, ou pas pratiquer le même foi, qui sont capables de faire un jugement sur lui, pour ou bien contre. Comment capable? Pas capable. Et c'est ça qui m'était payé dans sa lié là, je veux dire là. Et nous avons une bataille,
et n'a pas continué à exister. Merci tout le monde à toute l'équipe technique de Radio Éclair, Orlando Babas, qui l'a depuis 7 ans. Mais monsieur, Esaü, je cours vite, oui, 7 ans qui est arrivé. Ah oui, il faut le dire. Hein? Bonjour Esaü César. Bonjour Père Matisse à toutes, bonjour Louko Désir, bonjour Matin Débat, bonjour Père Haïtien. Jodi à la, nous avons un titre, les grands titres à la une de l'actualité. Donc, nous avons un titre. Allons avec les titres à la une de l'actualité. Et puis après, nous parlons de titre. La foncée après. Mais nous t'ai dit que. Fête là. À fête. La fête du. Ouais, non, la fête. La fête de DG Guetta Connay. Et puis, Map Dino. Jacques Etienne de. De Fancy, de Fancy, et pour arriver sous nous, et Madame Nelly, chef Madame Sébastien, Nelly. Chef Sébastien, oh bon, si vous arrivez sur là, Sébastien, chef Sébastien, Madame Nelly New York, Madame Ingrid, Gendemoun, et nous guettons par là avec nous, pizza, gagnez donc Yoli High Class, Yoli High Class, Yoli High Class, High Class pour arriver sous nous, et Champagne, c'est là. Pavillon Hôtel de notre mamie et Jocelyne. Et nous gagnons Seven Stars Hôtel. Nous gagnons Amboise Clifton depuis Canada, qui a privé sous nous. Et gagnons Madame Dumonet. Alors, Madame Dumonet, il faut qu'on dise nous gagnons deux Madame Dumonet. Toujours là. Ah oui, gagnons donc Madame Dumonet de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et cap vous et représentant là, m'a connu. Et alors qu'on est depuis de Madame Dumonet, c'est l'église Perpétuel Secours. Et puis Madame Dumonet de l'église Saint-Pierre. Alors tous les deux c'est de l'église. de l'église. En tout cas, ouais, c'est, et donc. C'est du monde différent. Et puis nous gagnons donc en collège, Port de Paix. C'est institution Serge Régnier. Et cap qui est à écrit nous. Que camper avec Matin Débat, c'est Maître Jean-Rémy Joseph et Maître Lamartine Martinemer avec Madame Serge Renier. Donc, l'école, ça a qui bat ton record. Première année, li bail 47 timoun sous 49. Bon, première année. D'accord. Bon, félicitations, institution Serge Renier. Et puis, Esaü. On va avec le titre à la une de l'actualité, mesdames, messieurs, avec nous, Louko Désir. Septembre 2024, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette 3. S'intensifie au bas de la ville, certains chefs de gang sont paniqués et se disent être prêts à négocier. Les analyses et commentaires de quelques minutes à l'émission Matin Débat. Haïti politique, le CPT, le Conseil présidentiel de transition embarrassé
se prépare à prendre une résolution suite au scandale de la BNC et sur la présidence tournante. Il se donne rendez-vous ce mercredi 4 septembre 2024 pour la discussion y relative. Haïti politique, le CPT, le Conseil présidentiel de transition embarrassé, se prépare à prendre une résolution suite au scandale de la BNC et sur la présidence tournante. Il se donne rendez-vous ce mercredi 4 septembre 2024 pour la discussion y relative. Madame, Monsieur, malgré la fête, c'est ensemble deux points ça avec l'autre que nous allons faire débat sur vous, que nous allons faire discussion sur vous, nous allons faire commentaire sur vous, nous allons analyser ce mercredi 4 septembre 2024 à l'émission Matin Débat sur Radio Éclair 105, également sur toute la station de radio, où l'on cette émission pour faire également au niveau de la diaspora haïtienne. Bon mercredi, bonne journée, bonne écoute, bon matin débat et bonne fête à chacun de vous. Vous écoutez Matin Débat. Matin Débat, jeudi à son journée porte ouverte pour l'émission Matin Débat parce que permettez à tout Esaïe César et Galette Gatimur qui va avec nous sur Menza. Et Gampil Moun qui a passé avec nous. Et, ouais, et ceci ouais, et tous les deux côtés. Ok, Gampil Moun qui a passé avec nous. Donc son journée porte ouverte. Donc pendant que nous avons fait fête là, nous n'avons pas prêté, nous n'avons pas quitté l'actualité. C'est-à-dire que nous avons un menu là qui est très chargé. Et donc jeudi à son journée porte ouverte. Il y a des gens qui se vendent amis matin débat. Donc, plus c'est dans la République. Oui, oui. Pendant la fête là, donc on a parlé de ça qui est là comme situation dans le pays, comme information. Et tout ça qui a parlé là, qui va développer pratiquement dans le pays. Ah ben, avant nous entrer dans un louco, et journée, et matin débat, qui fait nous 7 ans, on a fait appel à la sagesse, et sagesse a brûlé tout le monde. Et c'est proverbe nous pour aujourd'hui. Hein? Sagesse après les tout le monde, c'est proverbe 1. On a bien deux proverbes, proverbe 1, verset 20. Écoutez bien. Sagesse après les nous dans la rue. La parler bien fort sous place publique. La parler dans tout calfou. Dans tout portail la ville. Tout partout, côté tout le monde, qu'attendez. L'abdi nous ban égaré, qui l'a n'ap suspendre même fait tintin. Qui l'a n'ap suspendre, pour un plaisir, nous, n'a passé toute bagaille dans bêtise. C'est sagesse. Maintenant, nous tap gardé dans verset 10. Verset 10, dans Proverbe 10 et 8, verset 10, mais ça le dit. Parole roi Salomon. Ça, c'est parole roi Salomon. Moun kap transige, yo sou moun, c'est moun kap voye wosh kache men. Mais moun ki pale carré empêche compte. Ça c'est proverbe nous pour jodia Esaü Louko en nous déraper. En avoir déraper Louko désir jodia là c'est anniversaire matin débat 7 ans Pablo dit 7 jours 7 jours 7 sous 7 nous toujours là et 7 sous 7 n'a toujours là 7 le chiffre 7 le chiffre de la perfection donc ça veut dire chiffre 7 là veut dire un paquet de bagaille donc ou même qui compte bolette mais grand dans boudon jodia là il parle l'autre bagage 77 77 et grand dans boudon envahi bolet yo nous pral gagner dans l'isaloto jouer bolet tout sous cellulaire avec l'isaloto ou gen chance gagner 77 millions goud avec 7 fois pendant 7 fois pendant toute journée jouer 7 fois 77 fois chiffre perfection c'est 7 ans matin débat. Et avec Issa Lotto qui pral aider nous bien fêter jodi là nous pral bre champagne nous pral bre gâteau nous pral manger champagne nous pral bre gâteau oh nous pral ouvrir con nous donc tout le monde dans diaspora fête avec nous mais c'est même Jean Tourna dit bonne fête à Ismaël Valestin nèg plein du nord journaliste présentateur de l'émission bouquet de la parole. Ok, co-animateur de Radio Fierté, et puis président directeur général
Radio Fierté, président, directeur général Radio Fierté, avocat de son état, avocat, ok, avocat, et puis il est membre de l'Union internationale, ok, il est trésorier de la section de l'Union internationale de la presse francophone. C'est mon petit journal ici là, non? Oui. Donc oui. Ismaël Valestin a bien fait aujourd'hui là. Ismaël, on va voir, dis-nous qui va faire la fête. La Vina, ok. La Vina. Eh oui, Ismaël t'a supposé là parce qu'il est même fait avec. Bonne fête à Evans Lallier. Evans Lallier. Bonne fête. Bon. 4 septembre. Et gagne plusieurs autres monde qui a fêté. On a profité pour nous dire bonne fête. Et parce que matin débat ça fait pas yo. Allez, non, bon fanatique. Donc il y a Mackenzie Jean-François, Mackenzie Jean-François et c'est Karine cher enfant Jean, OK, qui souhaite le bonne fête. Vertilus et Casse-Landre, Vertilus Casse-Landre, eh ben et cap fêter jodi là et puis gagner Tragelus Loudine cap fêter même Jean matin débat cap fêter jodi là et sans compter divers autres amis cap fêter jodi là et en pile amis dans diaspora vous dit une bonne fête en pile monde en pile institution et a préparé pour capable fêter avec nous jodi là c'est le cas de l'OAVCT le cas du ministère de la justice qui était pas là avec nous matin là. Et j'en ai parlé, n'est-ce pas vrai, avec des employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, des membres de la police nationale, eux-mêmes qui souhaitent nous bonne fête, ils ont écrit nous, et ça n'a pas qu'à venir, ça dit qu'on n'a pas qu'à arriver, mais quand même, ils ont fêté avec nous. Je dis à ces fêtes Tati Tamara, hein, Tamara Orion, ancienne directrice à l'information, oh, oui, à Signal FM, c'était chef, moi. Cloche. Ok? Son petit femme, alors son gros femme qui fait un pile effort, quand je dis petit femme, c'est la manière de parler. C'est une femme qui fait un pile effort, comme jeune journaliste qui débarque en dans radio Signal FM, qui passe deux étapes reporter, qui devient directrice information. Ça, tu voulais dire, vous t'es dit, lui. C'est pour dire que ça, c'est une belle négresse. Oui, belle négresse. Sexy. Oui. Bah, il commence. Non, bah, non. Bye. Normal, normal. Mais c'est son père. Où t'es perdu? Bonne fête à Tamara Orion et Tati Tamara. Et qui devine jouer rôle porte-parole de la présidence. On se le rappelle, sous Jovenel Moïse. Eh bien, je dis à là, c'est fête pitou. Donc, n'a dit bonne fête à tout l'autre monde qui a fêté. Moun qui m'a fait des noyaux, nous pas guettons jeune ni. Mais quand même, n'a dit. Eh bien, bonne fête à tout monde qui a fêté. Et puis, sans transition, aucune loup au désir. Au niveau de la fête, il y a. D'autres problèmes qui se posent. Et c'est dans le cas de ce problème, de ces gens de problèmes qui arrivent dans le pays, n'a pas recevoir la famille méchanceté, nous connaît, artiste ça, de renom, qui passait de présentation, qui lui-même portait disparu jusqu'à date dans les radars, nous ne connaissons pas ça qui passait. Nous vérité. Nous gagnons, famille, alors proche famille. Avant nous tomber dans la vérité, à la vérité, année dernière, année dernière, est-ce que ça a un an, deux ans, Loco nous te recevoir pour fête matin débat, un personnage, et c'est hier que Max Pierre-Louis. Oui, Max Pierre-Louis. Max Pierre-Louis, rappelez-nous, l'été en micro ici, ensemble avec ancien président Transpa. 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 Ouais. Transpa. Et en parlant, Transpa. Comment était le Transpa? Parti politique. Le Husson. Lydie, il était ensemble avec le Husson le 3 septembre. Yeah. Ici, à, nous t'avons souhaité matin débat, bonne fête. Ouais. Mathieu lui a appelé nous ça. Hier. On a profité pour nous souhaiter condoléances encore une fois. Yeah. Et c'est nos sympathies à Mme Yannick Mézil, qui est passée de présentation, ancienne ministre de, à la condition féminine, et puis ancienne mairesse de la capitale de Port-au-Prince, et puis lui-même qui pote coller avec Timachan, qui par en bas avec eux. Oui. Bonjour camarade, bonjour monsieur. Et qui s'acmène dans la radio là? Salut. Fontier avance sur micro. Et n'a dit que